c'est aussi le retour du... C'est aussi le retour du monthly, le super local à Montréal. Fait que le monde soit un petit peu fatigué. Ouais. Qui était là? Il y avait-tu S20 était là? S20 était là, Lucci était là, moi j'étais là, Saloum était là, Raggy était là. Moi, Raggy et Saloum, on a tous fini 9e. Raggy a perdu contre Zee puis SGK, mais il a battu Bismarck. Moi, j'ai perdu contre SGK puis Dario LMM, mais j'ai battu Dario en loser dans le runback pour sortir des poules. Vincent, il a dû jouer contre Smok et F-Sharp. What the fuck? Pour sortir des poules. Puis Lucci a dû jouer contre Ho, qui est le meilleur joueur à Québec. Ok. De tous les temps, c'est juste lui qui a tout le temps fait PR. Puis là, il a pris une pause. Puis il est revenu, puis là, il a battu Venom. Ok. Donc à cause de ça, Lucci a dû jouer contre Venom en losers. Ah. Mais c'était très, très tight. C'était 2-1. Mais c'est en fait ce qu'il disait tantôt, Ray, quand tu. Lucci. Lucci, excuse. Très, très tight. Même Venom, il a été très impressionné par le DVD de Lucci. Puis genre Thierry. Est-ce que ça va être un duo, Ridley? Ah, random, c'est vrai. Raggy, ça va random aujourd'hui. Ah, ça peut mettre du sel, c'est une blessure. Snake! Honnêtement, Snake contre Ridley, ça me passerait. Je sais pas à quel point Raggy a de l'expérience avec Snake. Honnêtement, c'est pas un match-up qui est inconnu pour. Inconnu, je dirais, depuis la dernière année, mais tu sais, avant, exemple, la pandémie, t'avais genre DDN contre Coravin. C'est pas un match-up qui est inconnu dans la communauté. Go down show at four there. Exact. Mais tu sais, Raggy, il y a de l'expérience avec Ridley. On avait lancé anciennement Coravine. Mm-hmm. Mais je sais pas à quel point il est acclimatisé. Il est acclimaté au match-up de Ridley avec Snake. Mais... je pense qu'il y a peut-être zéro. Mais il sait un petit peu jouer contre Snake. Oh, il y a C4 est prêt. Oh my god! Damn! He doesn't give a shit, he parried C4. Good parry. Et le up smash sur le get up normal. Faut tellement faire attention au smash attack de Ridley. Ça fait que dans smash, up smash, ça coupe tellement d'options. Puis tilt, down throw. Oh, essayer d'aller pour le cheese avec le down B. Ouais, je pense qu'il aurait dû faire le classique avec son aerial, mais il essaie quelque chose de spécial. Back air. Le late hit, qui est correct. Beau recovery de la part de. Il y a tout de volume, mais c'est pas de volume. J'étais mal habitué. On sort leur pair qui est parfait le logo Skyrim. C'est ça, j'avais vu. Oh visé, non, ça kill pas. Oh, Ridley qui revient. Pareil, mais. Dragoon qui laisse pas vraiment Raggy lander puis qui laisse pas vraiment faire la bouchette de Snake. Back air, ouais. Recover high, c'est le poignet. Dragon est in the place right now. Exact, down air, c'est un peu dangereux. Non, on voit clairement qu'on cherche le up tilt de Snake. J'imagine qu'on est à un grab de kill Ridley, ça c'est sûr. Landing, oh, il y a plus de jump! Il y a plus de jump, mais c'est Snake qui peut toujours recover. Oui. Et là, peut-être qu'on a pas un stock de Dragoon. Il l'a trouvé son tilt, fait que là, retour de situation, on essaie de skewer, mais ça marche plus. Ça marche plus, ça! Ça a été patché! Hop, on skewer encore. Non, je pense que Dragoon devrait peut-être arrêter d'être fancy en ce moment. Là. Il essaie d'aller vraiment pour les cheese strat avec le down throw, down B, là. Ah, mais... c'est tellement juste pas une... ça a marché avant, hein? Mais là, ils l'ont patché. Le problème, c'est qu'il peut... Aller le charge up smash. Il faut pas que ce soit trop... Il peut faire cheese par Snake aussi, là, par pas très long, là. Non, c'est pas peut-être un setup dans un... dans le Nikita. Oh, le Nikita. Oh, là 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 là, le Nikita. Et... oh, je m'attendais tellement à un forward smash. Moi aussi. Ou genre side tilt. Ah, c'est drôle qu'il faut de la grenade après. J'ai dit side tilt, là. C'est là pour le backdash into up tilt. C4 qui est planté à droite. Quel va être le setup de Raggy? 94% sur Raggy. 147 n'importe quel hit, sauf la grenade pour kill. Ouais, c'est là pour le up tilt. Ouais, voilà. Et c'est à 4% pour le down throw. Fait que là, Raggy a remonté ça un peu, il y a 94%, mais honnêtement, il y a vraiment le momentum de son bord en ce moment. Ça prend juste, par exemple, un smash attack de... 105%. Et huge. No 3-star boy suck. Hey boy. Ah là là, est-ce qu'on va voir le reverse 3-star de la part de Raggy? Un force smash de droit moment, back throw j'imagine, voilà. Back throw. There. Up smash encore. Grenade. Essayez d'aller pour le un whiff punish. Oh ah! Oh, choke sur l'up smash et là. Ah là là, C4. Raggy up avec tilt. Le up tilt. Et là 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 là. Oh là. Le flame breath qui marche pas. Down throw. Non, Nikita encore?
Recovery de la porte. Oh, le comeback de Raggy. Dans la première game avec un reverse 3-star. Le download est complete, man. Eh boy. Comme je disais, par le match, il n'y pas juste de spammer ses smash attacks. Comme on dirait qu'il voulait cheeser pour finir le match, mais c'était dans le cheese. La. C'est sûr que Ridley, comme je dis, quand même est très 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 gros. Là, on regarde random, ça se trouve sur le snake encore. Oh! On s'en va random la part de Raggy. On salue Zelda Feiyu sur YouTube qui se connecte online. Mais. J'espère que le point. Le dragon, je pense. Dragon, je pense, c'est un petit peu gêné. Ouais, là, Lucci qui est juste hype dans le chat. Hein. On va voir ce que Raggy peut amener comme nouvelle tech. Hein. Je pense que c'est juste plus de fundies qu'autre chose. Ouais. Nair, up tilt, up air. Tu penses pas qu'il y avait une secret tech de DDD? Oh, ouais, salut d'aller pour le back air. Ah, le Dragoon se fait ici à la petite boule match-up là. Raggy qui s'en va random et qui fait des derrière. En passant, c'est pas Flamethrower, c'est Plasma Breath. Oh boy. C'est Plasma Breath, le neutral. Le neutral Edward. Oh, hey! Le dans. Il spike pas, mais ça va être bon par air. Puis Raggy qui prend la première stock avec DDD. Pas besoin de spike, il a juste besoin de hit. Plasma Breath. Hein. Flame qui touche. Attention quand Ridley abuse de ce move-là, parce qu'à un moment donné, si tu le frappes direct à sa bouche pendant qu'il fait. Ça va être un forward smash, hein. Up smash? Et ouais. Voilà, je vais prendre la deuxième stock. Fait que là, on est en 0-0, grosse utilisation avantageuse par exemple pour Dragoon qui est juste poigné sur l'edge. Oh! Ouais, ça aurait été quasiment beau de la part de Dragoon, mais Raggy qui le savait, c'était Barry. Air. Oh, up smash out of shield, un autre up air. C'est le genre de match-up dans mon livre à moi, c'est genre si Raggy est off stage, ça va être très difficile. Puis Raggy ne peut pas l'end, puis là il fait un forward air, puis un autre back air. Damn! Oh! Il essaie d'aller pour le deuxième back air, mais il se connecte pas. Non! Oh, beau renvoi sur Gordo. Dragoon, les Gordo n'ont pas fait grand chose dans le match, il est vraiment très bon pour les renvoyer. Puis Dreeze. Oh, et voilà le tech chase avec le upper. Dragoon qui reprend ses forces un peu. Et le up smash. Et le upper. J'arrête pas de dire autre chose pour upper. Ça arrive, c'est l'habitude. Fait qu'on est prêt pour moi, j'avais la bonne direction. Ouais, ça c'est bon. Fait que là, Plasma Breath a fait deux endroits différents. Oh, on gèle. Oui, engage avec le dash attack. Un autre dash attack de DDD. Oh non! Est-ce qu'on va il essaye d'appeler Ridley. Oh non! What the fuck was this? Oh my god! Oh! C'était chien ça! Holy shit!